Salut à tous, bienvenue dans un nouveau haul Jiffy. J'ai de nouveau eu la chance de recevoir une carte cadeau de la part de Jiffy. J'en ai donc profité pour acheter quasiment que des petits éléments décoratifs pour justement cette pièce là où je tourne. Il y a des trucs trop beaux. Je vous montre ça tout de suite. Je commence par ces suspensions, je dis c'est parce que j'en ai pris deux. Ça va être très joli de les mettre pas forcément à côté l'un de l'autre. Mais l'esprit est super joli, donc on reste sur du bois comme je veux quand même que ça fasse un petit peu scandinave. Et là on a comme une attache en cuir, c'est super original, je connaissais pas, vous avez vu. Même l'illustration qu'ils ont mis, je trouve que c'est très très joli. Et on est sur une dimension de 10 par 15. Et voilà ce que ça fait les deux. Ensuite j'ai pris cet élément décoratif en forme de renard, hein, je pense vu le museau, les oreilles. J'aime beaucoup. Moi, perso, j'adore. Voilà, il y avait également un petit renne, je crois. Beaucoup plus petit. C'est vrai que celui-là, il est grand et bah, c'est ce qui me plaisait. Hein. C'est une tirelire, hein. Vous avez vu? Il y a de quoi mettre la pièce. Moi, je ne vais pas l'utiliser comme tirelire, évidemment. Mais je pense que ça va rendre plutôt très, très bien. J'ai flashé, craqué sur ce sablier qui est donc gold. Le sable est, vous savez, comme couleur lave, gris, noir. Il est très très joli, en plus il est grand, très chic. Je pense que dans une étagère, dans un meuble, ça peut rendre hyper bien. Et on nous dit que c'est 30 secondes le temps qui s'écoule. Cette jolie boîte, je crois que ce sont des imprimés art déco, gold et blanc. Et à l'intérieur, on peut ranger des petits bijoux, des bagues. Et on a également un autre rangement pour mettre des petits secrets. Je pense pas que j'utilise pour des bijoux, quoique peut-être, hein, à la limite. Et pareil, très très joli en déco. Ensuite, rien à voir, ça c'est pour décorer mon sapin. Bah, c'est deux petites attaches un petit peu en craft marron. J'aurai un peu les mêmes en rouge, ça va être très très joli vu l'ambiance générale de mon sapin, ça va être top. J'ai pris des attaches parce que mine de rien, je commence à avoir pas mal de trucs. J'ai pas encore mis tous les cadres, je sais pas ce que ça vaut. J'espère que ça va tenir, mais voilà, pour dépanner, j'ai pris ce kit, ça peut le faire aussi. Gros coup de cœur pour cette boule de Noël. Je sais pas ce que j'ai cette année avec les boules de Noël. Elles sont tellement belles, donc on a des petites plumes roses. C'est absolument pas dans les couleurs que je vais faire, mais ça va être un objet déco chez moi. Ça va être toute l'année. Et on a aussi également des petits points blancs qui font un petit peu illustration neige. Elle est magnifique. Cette bougie blanche avec trois petites flèches gold. La senteur, c'est noix de coco vanille. Je ne l'allumerai pas. De toute façon, sans l'allumer, elle sent déjà très très bon. Et pareil, elle est quand même ravissante. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit tabouret qui s'appelle le Eden. Il est matelassé, velours gris dessus. Les pieds sont blancs. Idéalement, c'était pour mettre sous le bureau qui est dans cette pièce. Mais je suis pas certaine. Je vais peut-être le mettre en bas. Ça fait vraiment tabouret de piano. J'aime beaucoup cet élément. Il fait 47 cm de hauteur. Et je trouvais qu'il était vraiment pas si cher que ça. J'ai trouvé également cet élément. C'est un range magazine en bois. Alors là, on est carrément dans le scandinave, bois blanc. Ça se fixe au mur. Hein, on a des attaches. Est-ce que je vais le fixer au mur? Est-ce que je vais le laisser à terre? Je sais pas. Mais pareil, très contente de cet article. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation de mon haul Jiffy, de tous mes éléments. Je suis fan, j'ai hâte de tout installer. Si vous voulez voir les résultats de ma déco, bah écoutez, je vous invite à me suivre sur mes vlogs. Je vous montre au quotidien un petit peu tout ce que je fais de mes journées. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !